Et on poursuit la discussion avec Marc Ranger, qui est ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Bonsoir, M. rangé Bonsoir. Bon, la balle est maintenant dans le camp des syndiqués de la Fédération autonome de l'enseignement. Oui, dans ce cas-ci, on sait que les instances sont acceptées, donc d'aller de l'avant vers le... les membres. Donc, je pense qu'il faut être confiant quand même par rapport à la suite des choses, parce qu'à partir du moment où le leadership syndical... Dit, bon, mais ben, ça va pour nous, là, on va recommander. Euh, je pense qu'il faut quand même avoir un degré de confiance, mais c'est sûr que c'est les membres qui ont le dernier mot. Mais tout comme le Front commun, d'ailleurs. Oui, justement, en parlant du Front commun, il y a aussi une entente de principe qui est sur la, sur la table pour le Front commun. Il y a des clauses remords qui vont s'appliquer. Donc, l'offre la plus généreuse va, va finir par s'appliquer pour l'ensemble des, des syndicats. Eh bien, et pour être très, très clair, c'est le Front commun qui trace la voie des augmentations salariales qui vont s'appliquer. Fait qu'à partir du moment, où, du moment où le Front commun aujourd'hui annonce qu'ils sont prêts à aller devant leurs instances, que dans le fond, ils ont une proposition d'entente de principe qui est globale, qui inclut des salaires, la différence, c'est qu'ils ont les chiffres. Le Front commun a les chiffres des augmentations de salaire. La FAE a négocié une clause remorque, donc elle va accepter ce que le Front commun à négocier et, ultimement, ce que les membres du Front commun vont accepter. C'est ça une clause remorque. Mais ça, c'est une grosse nouvelle parce que, dans le fond, le, le Front commun aujourd'hui disait, on a réglé toutes nos tables sectorielles, il restait l'enjeu des salaires et maintenant, on est assez confortable avec ce qu'on a obtenu parce que dans le communiqué du Front commun, il y avait deux éléments. Protection dans les priorités, protection contre l'inflation et un certain rattrapage. Et ils se sont déclarés satisfaits de l'atteinte des résultats au point d'aller vers leurs instances et vers les membres. Donc, il y avait un niveau de confiance et là, ce sera ultimement aux membres de décider. Mais personnellement, je suis confiant euh, par rapport aux informations qu'on a. Je suis confiant que ce qui est là, ce qui est sur la table, il y a des changements structurels. Vous savez, du côté du Front commun, il y a eu des... Des compromis qui ont été faits au niveau de l'organisation du travail, de la flexibilité, ce que recherchait le gouvernement. Mais oui, c'est la question de flexibilité versus euh, l'augmentation salariale. Bon, il y a encore des difficiles à attacher dans tout ça. Le dénouement va être oui. connu au mois de janvier, mais à ce stade-ci, ce serait quand même étonnant que le Front commun décide d'aller avec des moyens de pression costauds, euh, même si ça ne fait pas nécessairement leur affaire ce que dans cette entente-là. Là. On se dirige plutôt vers un dénouement. Absolument. Parce qu'à partir du moment où les leaders du Front commun disent, nous, on va vers nos instances parce qu'on est à l'aise que ce qu'on voit globalement est satisfaisant, bien sûr, les membres vont décider. Mais on est en bonne voie. Moi, je suis très optimiste pour la suite. Tant du côté de l'enseignement, de l'éducation. De toute façon, je l'avais dit, c'était pas une option que les classes ne reprennent pas. Le gouvernement avait aussi beaucoup, beaucoup de pression. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'il y a des compromis qui ont été faits de part et d'autre. Qui permettent aux membres maintenant de se prononcer. Donc moi je, je, je suis vraiment optimiste. Je pense que on a vraiment écarté euh, l'option de la grève générale limitée. On le voit dans le cas de la FAE, euh, ils ont levé cet avis-là. Mais je, je pense que globalement, on est en face de changements qui sont porteurs mm. et qui sont prometteurs à mon avis pour l'avenir tant du réseau de l'éducation et de la santé. Mais évidemment. Ce sont les membres, entre autres du Front commun, les 420 000 membres qui vont apprécier le résultat final, mais euh, je, je suis confiant. Rapidement, alors, quelques secondes, un mot peut-être, parce que j'ai la chance de vous avoir avec moi ce soir sur le caractère historique de cette négociation. Oui. Ça faisait plus de 50 ans qu'on n'avait pas vu ça. L'opinion publique était euh, du côté des, des syndicats. Il y avait vraiment toute une mobilisation. Là. C'est sans précédent et je disais que l'opinion publique a été le troisième joueur à la table de négociation qui a joué un rôle clé parce que la population veut des services publics de qualité. C'était le message. Maintenant, tout le monde savait que c'est pas éternel et puis il y avait un degré d'épuisement parce que c'est une tension sociale importante. Mais moi, je veux saluer les avancées. On n'est pas encore rendu au bout, mais saluer le fait qu'on peut avoir vraiment de l'espoir que cette crise sociale-là, qui nous pendait au bout du nez en 2024, soit dernière nous. Je pense que le gouvernement ne voulait pas vivre ça non plus. Ils ont eu une année, une fin d'année 2023 oui, très difficile. Merci, Marc Rangier. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Ça fait plaisir.